La journée d'aujourd'hui, 18 décembre, regroupe plusieurs manifestations. C'est vrai que nous voulions faire une manifestation intitulée Moi Noël, moi nous, qui commençait par, depuis le 27 par les commerçants de la commune qui voulaient faire un marché, suivi donc le 4 décembre d'une inauguration de notre borne à recharge pour les voitures électriques. Ensuite, le 12, une journée autour du climat, en tout cas du respect de l'environnement. Et puis aujourd'hui, donc, ça devait être le festival La Sautée, avec La Sautée des activités immatérielles. Ça touchera plusieurs volets, tant artisanal que commercial, que transformation de produits, qu'au niveau de l'insertion. On a essayé de mettre tout le monde ensemble, donc on a essayé de tout regrouper le 18. J'encadre une équipe de salariés en insertion sur une ACI sur un pêcheur. Notre spécialité, c'est travailler sur des matériaux souples, donc les tissus, tant de la couture, de la réparation ou de la rénovation. Et voilà, donc les salariés sont appelés à utiliser des chutes de tissus, des déchets qui sont censés aller, qui étaient susceptibles d'aller en déchetterie. Et nous les récupérons sur nos ateliers. Et nous les transformons pour créer des objets et particulièrement des contenants, c'est-à-dire des sacs, des cabas et puis des objets décoratifs parfois. Donc vous voyez bien. Et aujourd'hui, cette équipe-là, c'est leur première sortie parce qu'il y a aussi dans le programme la valorisation par des expositions et puis montrer un petit peu ce qu'ils font à la population. Il y avait la problématique du changement climatique avec l'idée d'une journée sans pétrole, avec notamment l'inauguration de notre borne, qui est la première borne publique de rechargement de batteries de véhicules électriques installée dans une commune, et puis en faire aussi l'occasion d'une journée autour de la mobilité décarbonée. On a essayé de mettre tout le monde ensemble, mais tout le monde aussi s'est éclaté. En gros, c'est un marché tout simplement, avec un petit peu tout ce que nous avons prévu depuis le 27 novembre dernier.